Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Tila Nakaona à l'heure de l'actualité en question. Comme nous constatons, c'est une émission d'information et d'analyse sur toutes faits saillants qui dominaient l'actualité dans le pays d'Haïti, spécialement l'actualité politique. C'est une émission qui passait donc chaque jour sur Télé Nakaona du lundi au vendredi de 9h à 10h30 du soir. Nous parlons de Paul Ignace en janvier, mais nous avons avec nous, comme d'habitude, dans sous-plateau. Co-présentateur Jean-Dadi Siméon, que n'a pas salué tout de suite. Jean-Dadi, bonsoir. Bonsoir Paul, bonsoir mes téléspectateurs. C'est avec un pile plaisir que nous rentrons la CAO encore une fois, donc à soir pour la deuxième sortie de l'actualité en question. Émission ça qui rentre la CAO tous les soirs, d'ailleurs sur les deux chaînes de télé Nakaona. Donc salut tout le monde qui branche nous sur Channel 38.2 dans Orlando. Également, on peut saluer les gens qui sont branchés du côté de Miami, sur Channel 11.2, tout le sud de la Floride, nous sommes branchés. On peut saluer tout le monde qui est branché un peu partout à travers les États-Unis et dans le reste du monde, en Haïti, en Europe, en Afrique, en Asie, et justement sur les www.telianakaona.com/live. À ce moment encore, donc, nous venons justement pour nous capables d'échanger ensemble avec vous sur le sujet qui est d'actualité. L'actualité en question, nous connaissons ces émissions qui, tous les soirs, permettent que nous connaissions ce qui s'est passé dans la chaudière politique dans le pays d'Haïti, mais surtout donc analyser, essayer de comprendre, mais également également l'opportunité pour que vous capable de réagir et puis faire passer l'opinion par vous. Donc, dans ce sens, à soi encore, donc, nous pralé fait ça avec Paul Ignace Janvier, donc, qui est co-présentateur de l'émission. Paul, donc, Bakon Sopari à soi pour nous. Rentrer dans ce dia politique là. Nous paraît, Jean-Dadi, nous paraît. Et la seule chose, ou même qui branche l'émission ça chaque soir depuis longtemps, et on connaît schéma traditionnel là, nous commençons avec information, yo. Ensuite nous rentrons dans analyse et puis nous interroger et invités et que nous gagnons pour ces circonstances là. Mais à soir, c'est pas pour la première fois que nous avons obligé de faire ça, que nous avons renversé l'ordre des choses, nous avons changé schéma à soir, une autre fois encore. Côté que nous avons commencé avec invitez-nous, tant que nous avons rappelé, et hier soir nous avons annoncé, c'est l'ambassadeur Kenneth Martin. Donc tout de suite après l'interview, nous avons venu avec information et puis analyse, et nous avons fini avec participation Paul, qui toujours est faite de questions et de commentaires. Donc l'ambassadeur Kenneth Martin, nous avons rappelé, il était ambassadeur dans le pays d'Haïti. De 2009 à 2012, et puis en mois d'août 2015, il était nommé comme coordinateur spécial du dossier haïtien dans le département d'État, Kishita, Washington, capitale, pays, États-Unis, et que nous vivons là-dedans. Donc c'est invité ça que nous avons bien assuré, côté que nous allons brasser l'idée sous situation politique que nous connaissons, qui a développé dans le pays, plus précisément crise politique que nous connaissons, pays à connaître après. Et proclamation, résultat, élection présidentielle depuis le mois de novembre 2015. Et nous avons fait tout sous aide économique des États-Unis à Haïti, qui est un mécanisme en fait, etc. Donc c'est ensemble de points à eux. Et mesdames et messieurs, que nous allons aborder avec invitez-nous. Et nous avons rappelé que c'est l'ambassadeur Kenneth Martin. Très bien, donc Paul. Alors je dis là, et ensemble, nous. Et pour regarder surtout aujourd'hui dans l'actualité, comment la situation est par rapport avec la commission d'évaluation électorale, la commission qui lui-même est gagné justement pour qu'elle est capable de sortir à Paul. Donc nous croyons que tout sujet ça pour aborder avec invité nous à soir. Très bien, Jean-Dadi. Voilà, bonsoir ambassadeur Kenneth Martin. Ambassadeur Kenneth Martin, bonsoir, bienvenue sur Télé Nakaona. Oui, bonsoir, comment on est? Nous très très bien. Tout le monde en forme? Tout le monde en forme, ambassadeur. Et on est avec vous à Paul Ignace Janvier et puis Jean-Dadi Siméon. Nous avons rappelé, mesdames et messieurs, ambassadeur Kenneth Martin, en plus de l'anglais, qui c'est langue maternelle, mais il parle français couramment et surtout créole. Donc ça va faciliter à ce que la majorité des haïtiens bien comprendre et bien tout message, toute information que l'ambassadeur Martin a porté dans l'interview à soi. Une fois de plus, bienvenue ambassadeur. Merci beaucoup. Hein. Ça fait grand plaisir pour moi capable de causer avec nous. Ok, bravo. Donc, ambassadeur Martin a démarré tout de suite avec réalité politique là, comme vous connaissez. Depuis l'année 2015, il y a un processus électoral qui était amorcé avec élection législative le 9 août, élection présidentielle en décembre,
Et résultat, l'élection présidentielle est soldée par une crise politique qui, jusqu'à présent, pas permettre réalisation deuxième tour élection. Donc, comme vous avez fait un dernier coup de pied dans le pays d'Haïti, mois dernier, mois d'avril, là, avec qui impression que vous avez quitté Haïti? Est-ce que le processus électoral a achevé le plus vite que possible ou bien non? Bon, une bonne question. Moi, j'ai fait une bonne conversation avec le président intérimaire privé. Nous avons discuté question élection. Président privé, j'ai dit auparavant, c'est un monde de bonne foi. Et la goumen pour achever l'élection en Haïti aussi vite que possible. Mais on connaît qu'il y a un peu de monde qui ne parlait vraiment que l'élection fait aussi vite que cela. Et nous-mêmes, nous avons encouragé tout le monde pour battre le peuple haïtien possibilité pour choisir le président. Alors, ambassadeur Martin, et nous connaissons que une bagaille qui dans l'actualité politique là journée aujourd'hui, hein, c'est le travail que la commission évaluation électorale là, a fait dans le pays d'Haïti et plus que gagner des partis politiques qui étaient mandatés. Nous connaissons que au départ communauté internationale là pas tellement d'accord avec la commission évaluation, mais finalement nous t'es retrouvé en Haïti dans le cadre d'une visite et le même jour le gouvernement lui-même était bail investiture avec même commission ça. Est-ce que vous êtes au courant que commission ça est après aller prendre investiture le même jour que ou même vous êtes en Haïti? Nous pas de connaît que yo pas annoncé le même jour, mais nous te connaît que yo pas annoncé soit avant, soit après, soit pendant visite moi fait en Haïti. Moi te connaît avant que tu allé que ça tape une réalité. Et Jean t'a dit dans l'autre interview, moi, t'es par la voix de l'Amérique, ça fait 2 semaines. Nous pas de Jean t'a compte une commission d'évaluation. Si une commission d'évaluation s'il est capable de faire le peuple haïtien plus confiance dans l'élection qui pourra le faire, ça cap bon. Mais, seul peur nous t'a gagné, c'était que gain acteur en Haïti qui peut-être voulait manipuler le travail qui était fait dans le comité d'évaluation. Et c'est ça qui débat nous un petit peu. L'autre bagage, c'était le fait que commission ça, t'as capable de prendre un peu de temps pour analyser tout résultat qui était élection octobre 2015. Et ça, c'est pas nous pour tout parce que nous t'aimons, bah, peuple haïtien, opportunité, choisir leader, eux-mêmes. Analyse par nous, nous croyons que c'est pour peuple haïtien choisir président, yo, c'est pas pour un groupe, politicien choisir leader d'Haïti. Et c'est en effet un bagage assez simple. Ambassadeur Merten, pendant le passage dans le pays d'Haïti comme ambassadeur de 2009 à 2012, c'est sûr que vous suivez le travail de la presse là, vous chita parler tout avec des acteurs politiques, des acteurs de la société civile là. Et qui est le plus gros obstacle où est à l'émancipation du processus de démocratisation dans le pays d'Haïti? Bon, moi, oui, comme obstacle, Haïti, c'est un pays qui cap toujours apprendre qui gens a fait marcher constitution ligue. Et constitution haïtienne, c'est un bagage qui compliqué, qui gagne un bon bagage qui t'a fait, démocratie, mais en Haïti, tout le monde, haïtien et partenaire à l'étranger, besoin continuer gourmand pour bâtir institutions pour assurer que la démocratie cap vienne plus fort. Et haïtien ont besoin continuer assurer que la démocratie pas capable jamais détourner.
Et ce travail que nous avons fait comme partenariat avec le peuple haïtien, avec la classe politique en Haïti, c'est ça tout simple. C'est ça. Alors, ambassadeur Kenneth Martin, nous connaissons que le 14 mai qui passait là, c'était en date, côté que selon l'accord 5-6 février, tu es supposé gagner un président qui prend fonction dans le pays d'Haïti. Ça n'a pas fait. Et je vous dis, nous connaissons qu'il y a des marches qui ont fait également du côté de l'exécutif auprès du Parlement pour que soient capables de gagner un rallonge pour le président privé, comme quoi que nous sommes capables de gagner pour nous faire élection jusqu'en novembre. Comment nous-mêmes nous voyons ça, je vous dis? Honnêtement, ce n'est pas à nous, ce n'est pas pour payer les États-Unis pour décider qui ne va pas faire élection en Haïti. C'est pour le peuple haïtien, c'est pour le gouvernement haïtien, c'est pour le parti politique haïtien à décider tout cela. Mais honnêtement, pour continuer bon travail, bon genre de travail que nous avons fait pendant longtemps, pendant mandat président René Préval, pendant président Michel Martelly, pour que nous gagnions un gouvernement qui démocratiquement élu, un président qui démocratiquement élu, pour que nous capables de continuer à faire partenariat, nous, pour que nous capables de faire travail que nous avons fait pour avancer Haïti, pour faire Haïti monter. Et pendant tout le temps, nous pas gagné un président démocratiquement élu, nous sommes nous-mêmes dans le pays États-Unis, nous-mêmes sommes un petit genre bloqué de ça nous capables de faire. Même gens avec institutions internationales financières qui ne sont pas capables de faire un pile bagage sans un gouvernement 100% démocratiquement élu. Et nous-mêmes, nous sommes impatients pour faire travail avec le peuple haïtien, pour faire Haïti avancer. Mais il y a un pile bagage qui nous empêche pour faire travail là. Là, nous n'avons pas un gouvernement démocratiquement élu. C'est ça. Ambassadeur Martin, et pendant cinq dernières années qui se passaient, et à combien l'aide économique des pays États-Unis et Haïti élevée, et dans quel domaine fonds été allés? Bon, depuis 2010, le Congrès américain a octroyé à peu près 4 milliards, billions en anglais, 4 milliards de dollars. Envers Haïti pour promouvoir le secteur agricole, pour faire travailler dans le secteur santé publique, pour attirer investisseurs, pour bâtir parc industriel dans le nord, pour travailler dans le secteur énergie, électricité, etc. Et tout ça nous a fait, et pour certainement pour améliorer les conditions de vie pour un pile monde qui a subi dégâts après le tremblement de terre 2010. Et tout travail ça nous a fait, nous continuons de le faire, mais nouveau bagage que nous avons fait, nous pas qu'à faire dans conditions tant qu'il y a là, avec un gouvernement qui passe 100% démocratiquement élu. Et ambassadeur Metten, avec toute force que nous dépensons, est-ce que le progrès est visible sous terrain? Honnêtement, moi, je crois que oui. Moi, j'ai toujours dit que depuis longtemps, depuis à peu près 10 ans, certainement depuis le mandat président René Préval et le mandat président Michel Martelly, personnellement, moi-même, qui fait à peu près 28 ans d'expérience en Haïti, moi, je vois un progrès. Moi, je vois un progrès du point de vue de l'investissement étranger. Moi, je vois un grand progrès du point de vue de la police haïtienne. Attendez, Haïti gagne Kounia là, une police qui, pas militaire, mais qui civique, il s'est fait des mouns qui gagne formation dans les droits humains, il y a une force police qui gagne hommes et femmes qui travaillent ensemble pour protéger le peuple haïtien. C'est un gros bagage, c'est un bon bagage,
c'est un succès pour le peuple haïtien, pour le gouvernement haïtien. Aussi, gain investissement dans le secteur touristique, gain investissement dans le secteur alimentation. Regardez, Heineken a fait un gros investissement dans l'année 2012, si nous songeons bien. Gain investissement dans le parc industriel au Grand Nord. Gain investissement ailleurs en Haïti, Marriott, Best Western et ailleurs aussi. Mais, moi t'avais dit, nous t'avais plus. Et pour bail travail, pour un pile haïtien qui mérite un bon genre de travail, faut que nous ayons un pile investissement de plus. Mais ces gens de travail, nous t'avais fait en Haïti. D'autre côté, il y a un pile progrès qui était fait dans le secteur santé publique. Nous avons fait un bon genre partenariat USAID, CDC et ministère de santé publique en Haïti. Si vous regardez toutes mesures de qualité de vie pour santé publique, tout le bagage est avancé bien. Bon, on ne peut pas dire que Haïti s'est arrivé dans une situation que le Danemark ou la Suède. Mais Haïti a bien avancé. Mais il y a un pile travail pour nous faire encore. Très bien. Alors, ambassadeur Merton, nous lisons un journal en ligne qui est le World Post et qu'un article que un journaliste qui est le Georgiane Niebaber, eh bien, il fait connaître que vu l'intérêt stratégique que Haïti représentait pour les États-Unis, et président Barack Obama semblait envisager là justement pour que l'État et fait choix de vous-même comme ambassadeur pour une nouvelle fois en Haïti. Est-ce que vous êtes vraiment intéressé par un bagage comme ça? Moi, pas au courant. Moi, toujours venu en Haïti à grand plaisir. Moi, venu à chaque opportunité. Mais c'est la première fois que moi entendu une histoire comme ça. Mais si vous voyez encore une fois, moi, t'es bien content. Mais Moi pas quoi que c'est vrai. Nous gagnons bon ambassadeur en Haïti qu'on est là, Peter Mulroney. C'est un collègue qui connaît ça le fait. C'est un monsieur qui remet en Haïti et il fait un bon genre de travail. Merci, ambassadeur Martin. Et un grand merci pour te causer ça. Mais nous connaissons emploi à temps où. Et qui va, donc quand même, vous accordez nous une bonne valeur de temps là, nous faisons bon petit causer. Avant d'aller. Sous ta gros message que tu as adressé à peuple haïtien en général, plus précisément des milliers haïtiens qui vivent ici aux États-Unis et qui a coûté à Soya, New York, Miami, Orlando, Atlanta, etc. Et qui ça message ça a taillé? Ce bagage que tu as dit, c'est que pays États-Unis, nous t'avons un seul bagage. C'est pour le peuple haïtien choix. Droit pour choisir président. Ce n'est pas pour la logique par nous et ce n'est pas pour la logique constitution haïtienne pour autre monde capable de choisir président d'Haïti. C'est pour le peuple haïtien. Et nous-mêmes, nous gommons pour assurer que le peuple haïtien capable de gagner l'opportunité de voter pour le président yo, et que yo capable de gagner confiance, là, vous mettez votre dans les urnes, vous êtes capable de gagner confiance de moun yo te vote pour aller vin président. C'est le seul bagage que nous avons fait. Et nous-mêmes, nous sommes vraiment impatients de continuer le bon genre de travail que nous avons fait en Haïti pendant les dernières années. Yo. Et c'est un bagage qui est important. Haïti, c'est important pour nous. C'est un bon voisin. C'est un pays qui t'a aidé nous à achever nos propres indépendances il y a plus que 200 ans. Et nous, c'est une opportunité qu'on a là pour nous-mêmes capables d'aider Haïti. Et c'est ça que nous avons fait. C'est un bagage qui n'est pas compliqué, un bagage qui est vraiment très simple. C'est tout. Merci une fois de plus, ambassadeur Kenneth Martin. Et c'est un très, très grand plaisir que nous t'ayons gagné pour nous recevoir à Souya sur le plateau Téléana Kaona. Qui chita dans la ville Orlando. Nous suivons la situation dans le pays d'Haïti. Donc, son émission qui l'a chaque soir. Écoutez, nous analyser et tout faire. Et nous venons information et tout. Donc, si vous avez de nouveaux développements, nous faisons appel à vous et nous espérons que vous répondez à l'invitation une fois de plus. Certainement, à grand plaisir. Merci beaucoup. Hein? Merci et bonsoir, ambassadeur Martin. Bonsoir. Très bonne soirée, à bientôt.
Voilà, amis téléspectateurs, j'en ai dit, nous avons été annoncé hier soir ambassadeur Kenneth Martin. Nous avons rappelé qu'il était ambassadeur dans le pays d'Haïti de 2009 à 2012. Actuellement, depuis le mois d'août qui sont passés à là, il est coordinateur spécial de dossier Haïti dans le département d'État qui est à Washington, la capitale du pays États-Unis. En gros, j'en ai dit, ambassadeur Martin il dit que il n'est pas trop opposé, pays États-Unis de préférence pas opposé à la commission, mais il a voulu que pas de force côté dans la façon politicien voulait tirer drap un bon côté un côté d'un ou de l'autre, il voulait tout que tu as assez de temps pour que la commission a réévalué pour servir bon Dieu dit c'est crainte ça a été gagné à savoir est-ce que a bien assez de temps pour évaluer pour servir bon Dieu est-ce que tout pas gain des secteurs politiques a essayé et déséquilibrer le travail évaluation que la commission a fait. Donc, il parle tout de la constitution du pays d'Haïti qui est compliquée, donc qui ça un petit genre de brancal et marche et processus de démocratisation dans le pays d'Haïti. Et il parle tout, il rappelle nous, nous entendons que il reconnaît que Haïti était des pays États-Unis, prend indépendance, effectivement, nous sommes gouvernés aux côtés des Américains dans Savannah et dans l'État Georgia. Et pour nous permettre qu'en 1776, pour nous permettre que les États-Unis étaient pour l'indépendance. Donc, il rappelait ça et il dit qu'en retour, il voulait tout à tout cœur et des pays d'Haïti. Il parlait d'un affaire de 4 milliards de dollars de 2010 à 2015 qui, le Congrès américain a été voté pour te permettre de faire des projets dans le pays d'Haïti. Donc, il a même posé la question est-ce que l'IOS souterrain, qu'il y a des progrès visibles qui fait avec tout comme ça, 4 milliards de dollars qui. Passé entre 2010 et 2015. Donc, en gros, j'en ai dit impression. Une très bonne interview. Et on connaît que l'ambassadeur Martin, c'est un monde qui est très habitué avec la presse en Haïti. Donc, il est habitué avec ce genre de questions. Mais surtout, nous voulons remercier et tous les amis, téléspectateurs, un peu partout, Miami, New York, Haïti. Et en France, en Afrique même, qui tendait que nous prenions l'ambassadeur Martin, qui voyait des documents pour nous, des articles, des journaux, justement, pour nous être capables d'élaborer les questions. Donc, nous croyons que nous sommes satisfaits de l'interview et que nous pouvons continuer comme ça, avec le support de l'administration de télévision, M. Landry Vénard notamment. Donc, joindre de bons et invités comme ça pour nous porter pour dans l'actualité en question. Et pour que nous soyons capables d'informer de comment la situation est en Haïti, mais surtout perspective et comment demain est capable. Très bien, eh bien nous allons continuer avec l'émission, avec le schéma, dans le cadre du schéma traditionnel. Là. Nous venons avec l'information. Et tout d'abord, ça surtout domine l'actualité, c'est l'incident qui est passé au CAE dans le dimanche le soir pour arriver lundi. Et côté que des grandes attaques qui étaient faites dans le commissariat et qui étaient gagnées des. Victimes des deux côtés, ni du côté de la police, ni du côté des assaillants, ça veut dire monde qui était attaqué au commissariat. Donc, dans ce sens, le gouvernement a lancé une enquête. Donc, c'est surtout point ça, avec plusieurs autres, que nous pourrons présenter et analyser pour asseoir dans la deuxième sortie de l'actualité en question pour cette semaine. J'en ai dit. Merci, Paul. Il faut connaître que gagné Guy Philippe, qui lui-même nie toute participation. Dans quatre attaques qui étaient enregistrées dans le commissariat au CAI dans le sud du pays. Et Guy Philippe dit qu'il n'est pas impliqué ni de près ni de loin dans l'attaque Sayo qui était perpétrée dans la nuit du lundi, dimanche au lundi, dans le CAI. Donc il a fait intervention dans un média dans la capitale de Port-au-Prince, Haïti, justement côté que il fait qu'on est avec les confrères de Radio Télémétropole et que. Lui-même, il est sénateur et candidat pour le Sénat dans le département Grand Ensemble. Et il croit que lui-même, il a fait un appel à ce que il a observé une désobéissance civile par rapport avec le président Privert. Si seulement, arrivé au 14 mai, le président Privert n'a pas arrivé à faire élection pour que gagne un nouveau président élu dans un pays d'Haïti. Ancien commissaire de police, qui c'est Guy Philippe, il dit que lui-même, lui reconnaître que et son droit légitime que tout le monde gagne pour qu'il soit capable de manifester, mais question prend des armes et fait violence contre la police, lui-même, lui pas entré dans la cause ça, il n'a pas demandé qui que ce soit pour qu'il soit capable
fait Zach Consa. Il fait connaître que il est prêt justement pour que il capable répondre avec toute question la justice a gagné pour poser lui dans cadre dossier si là. Mais tout de suite après donc il y a un gouvernement haïtien qui lui-même lancé une enquête justement sous attaque ça qui était faite dans commissariat et Kailan. Au Kay, li yo fait connaître autorité yo même yo avec autorité policière yo justement dans le pays d'Haïti pour que yo capable diligenter une enquête pour faire toute la lumière sur les circonstances qui entouraient l'attaque qui était perpétrée contre le commissariat au Kaila et dans la nuit du dimanche au lundi 16 mai 2016. Ça passait bon zone 3 heures du matin, on a rappelé. Donc le premier ministre pays, Inex Jean-Charles, qui lui-même a organisé en urgence un conseil supérieur de la police nationale, justement autour de questions Silayo. Monsieur Jean-Charles, il fait connaître que, eh bien, lui-même nous connaît que c'est également un ministre de la Défense dans le pays d'Haïti que lié et lui hérité de un dossier de militaires démobilisés dans le pays d'Haïti et qu'il y a travail sur lui pour voir comment que il est capable de joindre une solution avec lui. Et voilà que, eh bien, ce dossier, ça a rebondi avec attaque qui a perpétré avec des hommes armés qui ont trahi militaires avec uniforme qui t'a fait sembler que c'est ancien militaire que y est, mais il fait connaître que l'autorité eux-mêmes et il a pris toutes mesures justement pour que soient capables de mener investigation ça. Il y a déjà gagné plusieurs assaillants qui embâment la police. Il faut pour qu'on voulait mettre en quête information de eux pour l'instant pour pas nuire avec évolution enquête là selon ça que porte-parole la police là France Lebeau lui-même lui fait connaître. Donc voilà en gros donc situation sur question sécuritaire dans le pays d'Haïti. N'a pas rejoindre Paul il y a 5 janvier et puis n'a pas retourner pour analyse avec commentaire dans quelques instants Paul. Merci Jean Dadi. L'autre information eh bien gain responsable initiative société civile là dans le pays d'Haïti qui constate que gain en pile avance qui fait dans cadre processus d'application accord 6 février. Mais monsieur René Desroches qui dirige institution ça et me dit fait connaître que il y a pile inquiétude concernant le travail de la commission de vérification hein, et qui, d'après lui-même, tout pas fait unanimité au sein de divers secteurs et politiques. M. Desroches estimait que vérification échantillon 25% pour ses verbales, il n'a pas changé en rien par rapport à 15% que la commission a été sélectionnée au départ. Il dit qu'elle craint pour que pas gagne un rejet de rapport commission par certains partis politiques. Et qui, d'après lui-même, dans ce sens, ça pape renforcer et confiance dans le processus électoral. De l'autre côté, M. René Desroches estimait que le changement qui a opéré dans l'administration publique là, il inquiétait certains secteurs de la population hein, et qu'il dit que M. Privet a dû plus s'en occuper lui pour chercher rassurer le plus grand nombre d'Haïtiens dans l'optique organisation et prochaine élection. L'organisation politique PHTK dénonçait persécution politique, parti politique PHTK, et par le biais de porte-parole, et M. Rudy Erivo, il dénonçait persécution et politique contre une série de partisans partia qui a fait à travers tout le pays. Et il demandait la police pour assumer responsabilité en toute impartialité, sans parti pris. Donc, ex-sénateur, il accusait tout une série d'éléments qui infiltraient et que d'après lui-même, c'est pouvoir qui paye yo, et puis il fait des actes de violence et parmi eux, et ça qui était fait au Kaila, et qui fait tout dans une série de manifestations, parti à Saint-Tête-Calais, a été organisé samedi dernier. Et d'après lui, marge de manœuvre président Privert, lui, on t'y a restreinte, hein, donc il dit ça pour le faire, c'est résoudre le plus vite que possible, et bien, crise ou bien organisation électoral avec organisation élection avec calendrier électoral là qu'il doit publier le plus vite que possible. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ensemble information qui dominait l'actualité politique là dans le pays d'Haïti pour aujourd'hui, mardi 17 mai. Aujourd'hui, on a rappelé, c'est la veille, eh bien, célébration du drapeau haïtien. Et demain, c'est 18 mai, donc c'est fête du bicolore bleu et rouge. J'en ai dit, donc Guy Philippe, et que peut-être un peu le monde et dans la société haïtienne qui a bien tout de suite après l'attaque au Kaila fait, tu es capable de pointer du doigt et tu as même des déclarations qui sont faites en ce sens à travers des médias de la capitale.
Mais voilà, que il pas perdre du temps pour lui nier et toute implication dans l'attaque commissariat au Kala. Donc, dans ce sens-là, il y a un gouvernement qui lance une enquête sur l'attaque, ça, de telle sorte que pour toute la vérité, rien que la vérité, est capable de sortir. Mais ce n'est pas pour la première fois qu'on a une situation sérieuse et qu'on a des promesses d'enquête. Mais à savoir si jusqu'à ce jour, les résultats d'enquête ça sont publiés et que la lumière est qu'on fait hein, pour permettre que la population détermine qui secteur effectivement qui était derrière telle situation donnée. Et spécialement, situation ça que nous connaissons qui fait des victimes des deux camps et que nous toujours déplorer le fait que, par exemple, les policiers, pour aller dans le travail, dans le commissariat, qui c'est le lieu de travail, et tout bonnement comme ça, énigmatiquement, pour des individus armés rentrer et puis attaquer et permettre et la cause que ils ont perdu la vie comme ça, son situation qui est vraiment déplorable et qui mérite attention tout le monde. Donc cette enquête que le gouvernement a lancée, j'en ai dit, qui ça nous attend de lui. Alors, ça, nous sommes capables d'attendre de lire. Pas oublier que, et tout d'abord, il faut nous mettre en contexte cette situation. C'est que, et, qui est-ce qui Guy Philippe? Guy Philippe, son ancien commissaire de police, qui travaille dans Delma. Il travaille du côté de Guanament. Il était commissaire donc principal du côté de Guanament. Elle était venue commissaire divisionnaire et directeur même départemental et au niveau donc de Cap-Haïtien, dans le Nord. Et nous connaissons qu'elle était venue à partir avec et régime Lavalassa, côté qu'elle était obligée de courir, partir, quitter pour le pays. Elle était parmi quatre officiers de police, commissaires, anciens commissaires de police qui ont même pris en formation en Équateur. Et qui était retourné dans le pays d'Haïti. Donc, ils sont allés pour prendre formation militaire. Et ils sont retournés, donc l'armée n'a pas existé encore. Donc, ils ont fait entrer dans la police. Là, et là, ils ont eu un problème avec le régime Lavalassa. Ils ont couru quitter le pays. Et c'est lui-même qui a pris la tête, sauver un mouvement qui a mis jamais en Haïti dans la tête, donc, dans le pays d'Haïti, en février 2004. Donc, en ce sens, je vous dis, il a toujours fait des déclarations. Et c'est là pour demander tout le monde, leader politique qui prend la parole comme on bagaille, qu'on a dit n'importe sauver, n'importe qui. Mais même gens, la parole est capable de retourner contre eux-mêmes. Donc je dis, il arrive que Guy Philippe lui-même lui dit qu'il est capable et lui prêt justement pour qu'il est capable eh bien, bâille et réponse que la justice a besoin qu'on ait, puisque lui-même lui fait connaître que. Paul n'a pas gagné rien pour lui, ouais, donc, mais seulement nous rappeler nous, que il y a des déclarations qui étaient faites peu avant, côté que nous connaissons une échéance qui t'a privé sur nous-mêmes, à savoir date 14 mai 2016. Donc, lui-même il était fait appel justement pour que tu aies une sorte de rébellion hein, au niveau civil, comme si mon papier de taxe, il comme ça, il était. Même nous avons songé que il y a des déclarations qui t'a demandé et pour que eh bien t'a séparé la grandance le département de la grandance du reste du pays même si autorité politique paysan ou même t'a capable de contrôler tout pays mais pas capable de contrôler la grandance maintenant je dis et ça passe comme ça encore une fois donc m'a retourné donc sur le pouvoir de la parole maintenant on bagaille qu'on dit il y a des monde qui capable interpréter en façon et yo capable profiter tout pour que yo agit non, l'autre façon. Donc, je dis, il y a les leaders qui toujours continuent à faire des déclarations comme ça, des déclarations qu'on est capable de qualifier d'intempestives, justement, à tort et à travers, au monde qui a dit bon, nous allons faire une révolution, ou bien au monde qui a dit bon, nous allons couper tête pour les cailles. Donc, maintenant, mais on est comme si Nadou qui a levé au matin, on folie couper tête pour les cailles, prendre, et puis tomber, couper tête pour les cailles, on bagaille qui vient sembler tête coupée avec ça que leader a dit. Donc, en situation justement pour nous éviter dans le futur. Donc, enquête là pour nous répondre à la question là, à qui ça que le capable mener nous? Premièrement, capable de gagner un petit problème au niveau de enquête sous un candidat,
un candidat qui est agréé par le conseil électoral et qui est habilité justement pour qu'il soit capable de participer dans un deuxième tour, donc dans l'élection. Donc, les gagnants ont certaines immunités. Mais il faut avoir des preuves palpables, vraiment des preuves palpables, que Mounsa Ali commet un crime. Mais oui, il faut que Zach le commette là, son crime que lié justement les sorts capables de lever soi-disant immunité ça comme candidat. Parce que pour qui ça que eh bien, la loi couvre Mounsa qui candidat? Parce que, il y a des persécutions politiques, on peut voir qu'on a décidé justement pour que le persécuter un candidat. Et puis il met un bagage sous tête et puis il dit association de malfaiteurs et puis il arrête et puis s'entendait donc mon a perdu possibilité que le gagner pour le participer dans l'élection qui sont prérogatives constitutionnelles. Donc voilà donc ça qui a gagné. Maintenant si lui même il décide volontairement pour participer dans le cadre d'une investigation, eh bien il est capable de toute information mettre à la disposition donc de la police et puis de la justice et puis comme ça donc nous croyons que et vraiment, il faut que tu aies des preuves palpables justement pour que tu sois capable de mettre Zach ça sous dos, monsieur. Mais comme autorité, ni la police, ni la justice, pour qu'on ne pas nous trop d'informations sur le dossier, on a continué à suivre justement pour que nous soyons capables de porter de plus amples détails et de plus amples informations pour les téléspectateurs de Télé-Anaka. Très bien, Jean Dadi, avant que nous avancions à ce dossier, on a précisé pour un peu les téléspectateurs. Qui a email pour nous là, qui a pris les noms, qui n'a pas privé connecté et qui était capable de suivre l'interview avec l'ambassadeur maintenant, eh bien, demain, si je veux, dès demain matin, l'interview ça, vous êtes capable de joindre sur youtube.com/téléanakaona. Vous reprenez youtube.com/téléanakaona. Donc, merci de ce que, quand même, aussi gagné nous ça, amis téléspectateurs. Oui, effectivement, Jean Dadi, hier soir, noté et fonti élaboré sur ça, à savoir nécessité pour que personnalités politiques, acteurs politiques, soignent le discours politique. Parce que ça a mis dans des situations regrettables et pour rien, que peut-être qu'ils ne vont pas même tremper là-dedans, ils ne vont pas même ni de près ni de loin, mais juste parce que il y a des mots qui ont été utilisés, il y a des expressions. Et que tu as utilisé à un certain moment donné, eh bien, des fois, d'autres secteurs qui sont ennemis à eux-mêmes, des secteurs adverses capables de poser des actes pour eux-mêmes, jusqu'à aller dans le sens et déclaration que tu as fait. Donc, il est très, très bon. Nous avons parlé de déficit de message de la part de nos acteurs politiques ces derniers temps, et qui, tout la cause que nous toujours avons une atmosphère politique en ébullition. À cause de, on sait, de déclarations ronflantes, introspectives, qui visaient, qui, donc, l'ont analysé, l'ont pesé, ou juste, ouais, c'est des appels à la violence, et qui est vraiment nuisible et pour bon fonctionnement sociétaire, et même pour, qui nuisible tout à ces personnalités qui ont lancé ces appels, ces déclarations intempestives et faites de violence. Donc, dans ce sens, bon, en attendant, il n'y a pas de poids à la police là, Franz Lerbourg qui dit qu'il y a des individus qui sont appréhendés, donc au moins trois là-dedans. Mais c'est normal et pour permettre que l'enquête là avance, donc il n'y a pas à révéler aucun nom pour le moment. Ça se fait dans tous les pays du monde. Et donc, il n'y a pas interrogé individu sérieux, donc au fur et à mesure, ça permet que. Et la police vivait aux auteurs intellectuels et même d'autres bras et qui étaient participés dans cette attaque, dans la plaie très très malheureuse qui a fait des victimes des deux côtés et dimanche soir et qui... Vas-y, Jean Dadi. Alors, moi je voulais justement faire un point que nous avons tenté de faire hier soir. Et c'est par rapport avec, malheureusement nous n'avons pas une vidéo ça, hein. C'est par rapport avec une vidéo que... et qui est diffusé côté que il y a des journalistes qui t'a posé un individu qui t'a appréhendé dans le cadre de assaillants qui t'a attaqué commissariat et encore une fois et moi te dis hein pas connais je dis à côté que n'a parlé là qui situation d'acadie et monde ça que t'a qualifié de assaillant qui t'a arrêté hein. Songez que je me dis hier soir, Paul, que l'étape très intéressante, c'est que la police t'a mis en condition pour que l'on soit capable de rester vivant, pour que l'on témoigne. Maintenant,
moi les bruits que nèg ça il semblait tout à mourir par la suite parce que nous t'ai fait et déduction parce que nous t'ai regardé vidéo puisque nous connaît grand pile monde qui branché nous là qui branché également actualité 1 qui sur Facebook qui sur réseaux sociaux qui ouais vidéo ça parce que vidéo sur Twitter les sur YouTube déjà donc nous capable well maintenant dans tous les pays du monde hein, un cas comme ça son cas justement pour ta mettre nèg ça sous protection parce que mm-hmm. On est cap dit que bon tel monde te voyel maintenant encore moi même analyse pas moi de mon lieu de journaliste et qui a analysé ça moi dit que écoutez moi pas capable faire froid totalement entièrement complètement avec de telles déclarations parce que pour moi même c'était un monde qui était en instance comme si entre la vie et la mort c'est un monde qui pral trépasser pour monde qui voit vidéo hein n'a pas capable comprendre ensemble avec moi que premier bagage qui pour te fait c'est pas juste la gain individu ça parce que nous d'accord hein individu font zak qui reprochable OK yeah. Une action criminelle malhonnête côté que lui causer la mort à un et autorité qui était placée justement pour bailler sécurité dans pays mais maintenant si individu ça révélé ou doit révéler vital pour et l'investigation de la police ou de la justice donc faut nous mettre sous protection vous comprenez maintenant si nous quitter nèg là et puis abandonner là nous pas courir bal les soins d'urgence que cal nécessité est-ce vous comprenez et puis pour nous capable kembim nèg ça en vie donc franchement m'a dit nous que vidéo ça li pour convaincant assez justement pour que l'état dit que ça monsieur a dit à son bagage que li conscient pleinement conscient de lui-même. Oui, très bien. Mm-hmm. Oui, notez un individu ça dans la vidéo et dans une situation très, très regrettable, j'en ai dit. Un individu qui était agonisant, mais ça, son petit problème de professionnalisme là, dans la situation ça. Nous sommes bien contents que vous évoquiez, fait ça, scène ça. Et côté que son individu, le plus vite que possible, pas de l'autre place pour un individu ça, c'est dans l'hôpital. Donc, tu dois gagner une action urgente qui t'est faite pour te mener individu ça dans l'hôpital qui t'est plus proche pour aller recevoir soin. Et puis après, quitte à ce que la chambre d'hôpital ça t'a gardé par deux ou trois policiers. Et à mesure que gagne des progrès, nous avons ça fait dans tout le pays, à mesure que le progressé, l'état de santé il progressé, et puis là, ça a commencé à interroger le main. N'a pas demandé nous est-ce que nous c'était arrivé survivre et journée hier lundi dans la condition également alors encore une fois un mot encore pour m'ajouter Paul c'est que c'est des images que n'a voyé donc à la face du monde pas oublier que on est qu'avec un téléphone il est en prendre image ça le voyer et maintenant signal la vini d'Haïti il a dit nous que ah bon mais comment Haïti a traité monde et à partir de ce moment là penser qu'il est pas trop intéressant pour nous mêmes justement qui surtout pour monde qui a gourmet non et cadre pour faire respecter les droits humains les droits de l'homme donc ça a aussi des bagages justement pour que nous pas quitter parti comme ça justement et pour que y a pas une réaction dans la société non pas oublier que société que nous là jeudi hein nous parti de 86 côté que nous venons jeune monde à bouler monde nous jeune à couper tête monde dans la rue justement parce que ça te volons pas de banane vous comprenez donc faut ne pas rester passif face à de telles situations parce que nous c'est humain avant tout. Donc, la justice doit être et rester donc aux autorités judiciaires, justement, pour rendre la justice à qui justice est due. Oui, oui. Très bien, parce que, non, ça c'est réellement grave, la condition de notre individu, ça. Et la question que nous avons posée, est-ce que, mais pas ou même personnellement, j'en ai dit, nous avons juste posé la question, hein. Est-ce que les rivets survivent dans la condition que nous avons hier? C'est des actions que, qui ne pas douées et traitées avec émotion. Donc, nous connaissons vraiment que les policiers sont capables, sur le coup, de l'émotion, de la colère, dans la façon que sainement était faite là. Mais quand même, il faudrait faire appel à un peu de professionnalisme dans le cas ça, pour voir que ça sont témoins que nous avons besoin. Et que il méritait la plus grande protection le plus vite que possible et que parce que même en temps de guerre un soldat dans un pays adverse que t'abgoumé contre l'équipe blessée et tout près et équipe unité pour yo donc supposé prendre lui et prendre soin lui et penser blessé lui etc et permettre que
et ils survivent. Et donc, s'il y a des questions, pour des raisons tactiques que nous avons posées, permettre que la guerre avance et davantage ou capable. On l'autre bat encore sur le plan moral encore pour oui, même sur le plan. Que très bien. Et on garde pour nous, gagner yon nan moun qui te mouri yon en deux commissariat même. Longtemps, n'a pas songé que si nous te ti moun comme si nous l'on moun mouri, même si dans la rue, moun a tombé le mouri, rapidement, parce que son bail qui sacré pour nous, hein, le par décence, il y a toujours un monde qui a couru pour un drap blanc, pas n'importe qui drap, hein, un drap blanc la carrière justement pour le sortir dans la rue, à le couvrir comme ça. Ça veut dire que c'est sacré. Mais je dis à nous, venons banaliser la mort. Un cadavre, bon côté noir, tout le monde a passé, puis il a traversé, puis il a parlé. Donc, or, même Jean-Bé, je connais que, on entendait ça, l'homme de Timon dans le pays, et que, ou pas traverser un cadavre. Même au monde qui vivent, on va traverser le conseil. Donc, allez voir pour un cadavre, vous pouvez regarder qui passe, puis il plaue, et puis il traverse, puis il va le courir pour la poser une question, des bagages comme ça. Donc, même parce que ça, c'est des bagages tout. Pendant que nous dans la situation, pour nous corriger, parce que il y a et il dit que la comédie corrige les mœurs en riant. Hein. Il y a des bagages, c'est pas rire pour rire. C'est corriger pour demander, pour corriger, parce que si nous continuons comme ça, hein, demain, après, on est en plat manger dans mes liens, la manger, puis qu'on a un cadavre à côté là, ça va dire là. Hein? Très bien. Très bien. Et c'est dommage. Donc, nous espérons, tant que la police promettait que l'enquête là aboutit et que le pays entier connaît exactement ce qui est passé dans la nuit dimanche 15 mai pour arriver et lundi 16 mai dans le commissariat et au Kaila. Donc, qui est-ce qui était derrière l'attaque ça qui fait des victimes des deux côtés. Et l'autre situation, j'en ai dit, c'est que. M. Rony Desroches, que nous connaissons, qui est dans tête initiative de la société civile, qui est toujours à bopiner sur la situation et politique là, dans le pays d'Haïti, et qui est très bavard tout depuis le processus électoral. Ça. Donc, d'après lui-même, démarche commission pour lui changer l'échantillonnage de 15% à 25%, d'après lui-même, donc, il n'a pas causé aucun effet. Et dans quatre travailleurs, et que l'estimer tout que le travail de la commission n'a pas fait unanimité au sein des différents secteurs politiques. Et il dit que lui-même craint qu'il y ait des partis politiques qui ne peuvent pas rejeter, et qui paraît, d'après lui-même, pour rejeter le rapport de la commission et qui sont capables de la cause que le processus-là ne vient pas de confiance que lui méritait pour que une majorité d'électeurs t'a participé et permettre que enfin processus électoral ça arrive dans bout l'achever et que nous gagnions un président élu. Est-ce que crainte est justifiée ou bien ou non qui appréhension sous crainte hein, professeur Desroches plus ou moins dans non, la réflexion non. Bon c'est que la commission ça les grand travail pour les faire Paul et nous connaît que une bagarre qui bah problème c'est que nous gagnons monde qui entoure qui derrière l'idée ça l'idée pour créer commission hein, qui ne senti dès le départ donc qui commençait par parler fin tout à fait d'accord comme si ou t'as gagné l'impression que grand bagarre que senti qu'Alvina ou bien dans le secret des dieux parce que pas oublier que en plus que était des l'idée pour mettre commission sur pied mais il y a des observateurs qui a suivre évolution pas à pas de travail oui. Commission maintenant qui ça que yo même yo t'a gagné dépendamment de gens travail commission a évolué donc 15% 25% yo gagne doit ça ne fait pas aucune différence et que les résultats resteront les mêmes d'accord à partir de ce moment-là donc on va rendre compte que et yo pral et dit tête que ah non c'est 15% 25% pas cap montrer que tu gagne fraude suffisante justement pour que tu mette une série de candidats dehors donc on aller vers 100% et gagne monde qui dit que vu que monsieur ça a été fait pression sous commission rejoindre une augmentation côté que au passé de 15% à 25% donc si on fait plus pression toujours mettez moun dans la rue montrer que yo ka fait des autres etc. donc peut-être que ka joindre les 100% que a réclamé et donc moi je pense que dans l'état actuel des choses faut que candidat yo est justement capable de prendre conscience que pays a besoin de coller parce que ne pas arrêter comme si son machine qui comme si enlisé non malabou et puis qu'on y a là et pas gain il faut faire justement pour que il sorti là-dedans.
Donc maintenant, pour nous sortir, il y a un ensemble de concessions pour nous faire. Et concessions, ça y est, aller jusqu'à une sorte de tête collée pour nous voir. Même genre, la République dominicaine défait, est-ce que nous, même en tant que candidats, nous ne sommes pas capables d'établir un protocole d'accord entre nous, justement pour que nous disions nous que, mais façon que nous devons sortir. Nous voyons par exemple le candidat du PHTK, et qui lui-même fait qu'on est. Alors, il y a une sorte de campagne, de rencontre avec ses opposants, et justement, moi, je pensais que c'est pas une mauvaise idée. C'est pas une mauvaise idée, justement, côté que on va chercher. Ouais, si tu es capable de temporiser la situation, hein? Au lieu que tu as le pouvoir pour 5 ans, mais si tu as pris le diviser en deux, et même si ça a été fait en plus dominicaine, côté qu'on dit bon, fait 2 ans, ou bien l'autre candidat qui vient à pour là, donc pour nous faciliter les choses, donc fait 2 ans, et puis nous faire un bagarre en 4 ans, nous faire élection, etc. Ou du moins, nous font partage du pouvoir. Ou prend pouvoir, donc. Et la prend primature là, et puis n'a pas avancé. Moi, je pense que c'est des solutions qui sont dans l'ordre des choses possibles, justement, pour nous éviter de rester dans une situation côté que nous n'avons pas fait notre confiance. Et chaque monde voulait tirer de la bonne côté pâle. Chaque monde voulait se lier pour le président pays. Chaque monde croit que y a une baguette magique. Une fois que vous arrivez au pouvoir, vous pouvez changer les choses. Ce n'est pas vrai. Il y prouvait hein, que ce n'est pas possible qu'un grain de monde vienne avec une idée. Et que là, le bagage. Et chaque fois, les gens qui viennent avec l'idée, ça y est, comme Messie, hein, des idées messianiques, justement, pour qu'ils soient capables de sauter nous, tant que Moïse, hein, donc, ou bien tant que Jésus-Christ pour venir sauver l'humanité. Donc, ce n'est pas vrai. Et chaque monde qui vient avec une petite équipe, un petit clan, ils ont ramassé les comptes, ils ont rempli les poches, et puis aller. Je dis, il faut nous faire l'autre signal, justement, à la population, hein, justement, par rapport à la situation, parce que nous sommes dans des ambassadeurs à là qui parlent. Pour que les fait nous comprendre que, lui-même, et c'est veut travailler avec Haïti. Oui. Pays, les États-Unis veulent travailler avec Haïti. Et la communauté internationale veut travailler avec Haïti. Et ça qui passe encore, c'est qu'ils peuvent mettre pression sur nous. Puis ils disent, nous, il faut faire élection. Il faut respecter 10, il faut respecter date. Parce que Haïti, les signataires d'une série de traités internationaux également, maintenant, une série d'accords internationaux, il faut respecter tout. Et à quoi ça veut dire que, sont entrés dans les concerts des nations comme un démocrate, donc il faut respecter les principes démocratiques. Donc je dis, hein, on pas qu'à leader et puis qu'on ait envoyé des signaux comme quoi que c'est anonyme ou bien son monde qui t'a remis que bah tête en bas. Donc le ça l'arrive au pouvoir mettre d'accord tout que résultat on pourra le joindre en face ou en série de leaders tout qui pourra le comporter au même genre qu'on comporte dans le passé. Hein. Donc pour éviter toute bagarre ça donc pour qu'ils s'apprennent pas à joindre un accord entre nous. Oui, très très bien, ça bien déjà dit effectivement. Nous avons une situation compliquée et qui demande aussi une solution de dépassement de soi. Donc, c'est comme si nous avons ou l'école, et le professeur a un devoir mathématique qui est très très difficile, problème ça n'a pas qu'à résoudre, même si on est fort en maths. Eh bien, il faut mettre au gré là de côté pour aller aux amis dans la classe là, que vous connaissez M. Habitual sous tableau, et pour aller monsieur vous dire M. Saloué, qui j'en ai qu'à résoudre le problème. Donc, bien simple, et puis nous avançons ensemble. Donc, et j'en ai évoqué là, j'en ai dit, c'était un problème qui était assez compliqué et assez difficile à résoudre en République dominicaine en 1996. Nous obligés de venir à l'exemple ça de temps en temps jusqu'à ce que nous comprenions. Et que c'était un geste de dépassement de soi de la part des acteurs politiques en République dominicaine qui te permettre que le problème là résoudre. Et côté président qui était supposé élu pour 4 ans, M. Balaguer, et feu désormais. Et parce que M. Passouté encore, et l'été accepté pour le perdre 2 ans dans le mandat 4 ans, et puis pour l'élection refaite dans 2 ans, au lieu pour le terrain de faire 4 ans, et puis pour l'élection refaite dans 4 ans. Donc c'était un gros geste de dépassement de soi, même Jean Tout, et l'autre secteur qui était voulu pour la République dominicaine bloquer en crise politique, manifestation toute la journée, et bien il était déposé les armes, c'est pas des armes comme si. Machine gun ou bien M1 Uzi, etc. Non, ZAM, des déclarations d'appel à la mobilisation, des déclarations d'appel à la désobéissance civile qu'on a multiplié dans les médias, eh bien, ils ont été obligés de camper à ça et puis ils ont été retenus 2 ans et pour permettre que, à quoi ça, ils ont été joints là et pour faire chemin. Et effectivement, après 2 ans,
Donc c'était 94, 96, élection faite, et puis un nouveau président était monté depuis lors, donc la République dominicaine, donc élection passée, tout coup. Élection faite là, et il y a dimanche fait, là, exactement. Et déjà, nous avons connaît que, eh bien, le monde qui est élu, il est élu. Et nous attendons du feu metté, nous attendons couper tête, nous attendons boudekaï. Et l'autre chose que nous devons tirer le son de lui, c'est le fait que l'élection, c'est 16 mai en plus 2004, que ce soit, il tombe lundi, il tombe dimanche, il tombe mercredi, vendredi, 16 mai. Et pas une question de, oh, à nous rouler comme nous pour nous faire, et puis de vrai, 3 mois après, comme ça. Chaque 4 ans, le 16 mai, il y a une élection en République dominicaine. Tout comme il y a dit, bon, premier dimanche ou bien dernier dimanche, dans tel mois de mai, sur élection. Très bien. Et puis élection en fait. Élection en fait. Donc, et nous-mêmes, nous avons le 14 février, nous. Nous-mêmes, 7 février, nous, que nous ne pouvons pas respecter. Nous avons décidé et que nous ne pouvons pas respecter. Donc, il faut que un progrès qui fait dans ce sens-là, il faut qu'une révolution de la mentalité et qui fait dans ce sens-là pour que nous soyons capables d'avancer. Sinon, c'est des pas sur place et ça a nuit à progrès social, progrès économique en pays d'Haïti, l'absence de stabilité et politique. Donc, il est le temps pour nos leaders mettre ça dans la tête et pour qu'ils puissent penser à l'autre gens et permettre que le pays ça a commencé à penser et blesser les gens d'Haïti. Donc, PHTK, qui a fait une expérience là, et Kounia là, côté que lui tombé dans le camp des plaignants, et dans le sens que la plainte, que la fait manifestation, il y a des individus qui ont infiltré et puis elle fait des ordres. Donc, il fait référence à ça qui est passé dans, devant radio, devant le local Radio Caraïbe, samedi, à côté il y a des pierres qui étaient lancées et sous vite et local ça. Donc, nous n'avons pas qu'à retourner dans la répétition de ces actes, et n'a pas répété encore. Et très, très malheureux, très nuisible à processus de démocratisation, hein, et pour être capable d'avancer, et même pour arriver en état de maturité, et très nuisible tout à progrès social. Ça, il constitue des blocages à progrès social, progrès économique, le peuple haïtien, qui sont un bon peuple, qui sont patients. Mais quand même, nous n'avons pas qu'à continuer à abuser et de patience, de bonté, et pour que les grandes opportunités présentées pour changer pour lui, pour nous faire le traîner, pour nous reporter le changement à une date ultérieure, alors que l'opportunité pour changement est présentée jeudi ou bien elle est présentée demain, nous voyons dans 2 mois, 3 mois, et nous continuons à faire ça constamment, sans aucun gêne. Donc il faut que ça cesse, j'en ai dit. Voilà, amis téléspectateurs, et l'heure après arriver là, et l'heure censée arriver pour nous permettre de participer dans l'actualité en question, tant que j'en fais chaque soir à travers des questionnements, des commentaires. Donc, à ce soir, on a toujours opiné sur la situation qui est passée au CAI dans la nuit dimanche 15 pour arriver 16 mai, enquête cap menée, état déplorable, et un individu qui est arrivé appréhendé, mais que nous ne connaissons pas si. Et traitement que l'été joigno, nous pas penser que l'été arrivé survivre parce que Naïta noté Weli, c'est un individu, au lieu pour t'apprendre pour une question journaliste qui t'a doué tout de suite et dans une cabane à l'hôpital pour que des docteurs t'apprennent soin à lui. Et donc, sans compter tout, situation politique là, que le 14 juin pour arriver là, qui t'a censé dernier délai, et dans le cas d'accord 6 février, si nous t'avons considéré à lui, et pour que. Nous avons peut-être un nouvel accord, et ou bien une sorte de prolongation de mandat de M. Privé, ou bien un autre accord qui prévoit que notre gouvernement provisoire est capable d'installer. Donc, nous sommes capables d'opiner et venir avec des réflexions sur la situation. Le numéro capable de composer pour participer, comme d'habitude, c'est 407-792-62-92 sur les États-Unis. On va peser 6 tout de suite après Welcome pour qu'on puisse entrer directement avec nous dans le studio. Soit en dehors des États-Unis, l'autre numéro c'est 1-877-762-83-53. On va peser 6 tout et tout de suite après Welcome et on va entrer directement avec nous dans le studio. Tant que vous constatez, une grande série de villes, Orlando, New York, Miami, Atlanta, Boston, en pile de téléspectateurs après en même temps. Donc ça nous fait, nous prenons 4 derniers chiffres. Téléspectateurs téléphone, téléspectateurs qui étaient là avant, nous citer lui, donc là ça va parler. Ou même qui est dans la même ville là, rester. Donc là, prenons une après l'autre, on va besoin de courir à coucher et pas parler tout en même temps que l'autre téléspectateur a parlé parce que ça fait une sorte de cacophonie pour nous.
et pour même tout et pour les spectateurs. Donc, on a fait ça dans le respect d'autrui ou capable de critiquer mais des déclarations ou bien des réflexions d'une personnalité politique, mais quand même sa personnalité, à nous quitter ça de côté, à nous respecter l'autrui. Donc, il y a des propos donc, pour ne pas utiliser juste pour le plaisir d'injurier une personne, une personnalité que nous pas d'accord avec ça, il dit, ou bien une action qu'elle pose. Nous sommes capables de critiquer ACLA, mais quand même, nous sommes capables de critiquer la personnalité, mais dans le respect, pas utiliser des termes. Nous déjà gagné. Voilà, nous déjà gagné, un téléspectateur sous l'île. Allô? 69, 69, oui, allô? Bonsoir, oh. Bienvenue. Oui, bonsoir, bonsoir, monsieur. Moi, je suis satisfait de commenter d'Adi Siméon ensemble avec Paul Ignasto sur l'incident qui passait au Caire. Parce que moi, je trouve que son baraque extrêmement grave qui passait. Hein? Et j'aime aborder des questions, on m'a regardé des vidéos. Hein? Mm-hmm. Mon cher, son baraque qui vraiment dérangeait. Okay. Et bon journaliste qui pose assaillant, question. Mm-hmm. Et c'est Guy Philippe qui voyait. C'est Guy Philippe qui voyait. Monsieur, moi-même, je pense que Foc Mounio et enrichit tête, il faut éduquer tête. Parce que, comprenez bien, une question comme ça aussi importante qui passe, un fait aussi important, aussi grave, on ne peut pas passer nos monde comme ça. C'est pour quitter le temps pour faire une enquête. Quand il y a l'air, Léo enquêté sur le cas, yo joué nos résultats, nous sortons à tout qu'on a connu. Mais c'est au départ, parce que après bagage ça fin passé, dans des radios, après cité non Guy Philippe, c'est pas sérieux. On ne peut pas faire comme ça. Moi pense que, pas comme on prend le temps, on n'a pas besoin ni d'un pour, ni d'un contre, les gens des situations comme ça qui présentent, pour mon essayer très objectif. Non, comment toi à faire pour pas faire ni pour déranger un côté ni pour ranger l'autre côté. Monsieur, merci beaucoup et je suis très satisfait de commenter. Non. Merci. 43 96 Miami, bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, moi toujours tant des politiciens haïtiens, yo, journalistes haïtiens, yo toujours préféré yo des bagages ça que passe en République dominicaine. Question Balaguel t'es réduit deux ans dans mandat pour être capable de diriger, pour être capable de faire un accord. Mm-hmm. Mais il faut nous rappeler nous ça qui est passé. Parce que les politiciens ne parlent encore parce que la majorité là-dedans a mouru. Parce que tout le monde a mouru. C'est après Balaguel fin fait trois mandats sous pouvoir de quatre ans, qui bat 12 ans, qui va faire une partie PRD, ça, PPLD, ça, qui c'est parti Libération Dominicaine, ou une partie PRD, qui c'est parti Révolutionnaire Dominicaine, qui est en tête de José Francisco Peña Gomez, pété coquin, il a dit faut prendre pouvoir dans le grand monde. Non. Quand il y a une partie PRD à prendre pouvoir pour 8 ans, après 8 ans, PRD tellement fait démagogie sur pouvoir prêter l'argent, monter pont, faire route, faire une série de bagailles, quand il y a la République Dominicaine qui vient monter sous dette, qu'on a peut-être demandé pour bah au Bolbi avait dit qu'on retournait bah au Balaguel encore. Qu'on y a une faire une élection, qu'on y a une prendre Balaguel encore pour 4 ans. Mais pays a été tellement sous dette, Balaguel pas capable d'appliquer politique qu'il dit qu'on a pas appliqué dans 12 ans de déjà. Yo, lui obligé continuer avec politique PRD à Balaguel. Qu'on y a les peuples là où ils vont rien manger. Et c'est même politique à mettre pour faire route, faire pont. Quand il y a même peuple dominicain, ça a là, on est contre Balaguel. Quand il y a Balaguel, aujourd'hui, il y a une obligation pour le réduire mandat pour 2 ans, à condition pour ne pas postuler encore comme candidat. Mm-hmm. Et mon monsieur était voyé, et pour ça, c'était Racine Topeinado, il était voyé comme candidat à la présidence. Dans l'élection, ça a José Francisco Peña vraiment sorti à 46%, ou bien Leonel Fernandez sorti à 34%. Et vous avez un candidat à la gueule là, sorti à 18%. On a vu mon deuxième tour entre Leonel Fernandez et Peña Gomez. Quand il y a là, les Peña Gomez a fait discours dans le deuxième mandat, il dit qu'il arrive sous pouvoir lui-même, il parle juger tout criminel, tout voleur, ça va parler de monde, pas battre à la gueule là, pas mettre en prison. Quand il y a ça, grand monde à la gueule, il dit tout le monde pas voter pour Leonel.
qu'on a tout le monde balade sur Almeté, ensemble avec Lionel, yo, pour Lionel président, et là, Lionel, c'est le président, qu'on a séparé pour voir, il va balade, il va balade l'homoso, même le PRD, il va l'homoso, qui vient cause parti PRD s'accraser, et c'est ça que jusqu'à présent, où je viens de Lionel, fait demander de son premier mandat, son deuxième mandat, et jusqu'à présent, il était sous pouvoir. C'est comme ça, balade, c'est pas même monde, c'est pas même époque là, c'est pas même monde, parce que toute l'idée, c'est Peña Gomez mourir, balade mourir, où je Racine, quand c'est seul Racine, ton pays, parce que tout le monde s'en mourir, que c'est pas même bon, quand il y a son équipe Zoulou qui a divisé Haïti, ou une équipe qui n'a pas d'intérêt dans le pays. Qui va gagner, qui va même un cabrit, c'est le sénateur, c'est le député. En République Dominicaine, un sénateur, il y a une grosse industrie comme ça, salami. Donc, ce n'est pas même bagaille. Les Hollands, c'est un syndicat lancé grève. Sénateurs sont mon tout le monde sont arrêtés, peut-être ensemble, pour empêcher la grève la fête, parce que si il y a une grève qui fait, c'est aura perdu. Dans la Haïti, qui te met les nerfs, parce que le bagaille. Donc, c'est la même date dit. Donc, merci un peu, monsieur. Très bien. Merci. Très bien. Très bonne intervention. Miami, 3657, bonsoir, bienvenue. 66-57, pardon. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je suis pour vous inviter à soir. Et vous faites quelque chose de décolle off tout le temps, Balta, et de la situation. Et je suis satisfait tout. Et moi, ambassadeur, je ne voulais plus faire passer de ma créole, lui. Ah, c'est bon. Non, il est bon. C'est vrai. Non, il est bon, la créole. Très, très bon. OK. Bon, l'intervention que je voulais faire, je tiens, c'est que même là que moi, même là que nous avons un politicien, nous avons un parti politique, nous avons beaucoup posé candidat. Nous avons prêté comme conseiller auprès de monde qui est président. Nous avons bal conseil pour améliorer le terrain pour moi. Les que nous prenons pouvoir moi-même pour nous terrain préparé. Et les politiciens ici ont fait, ils ont pensé 5 ans à changer Haïti. Menti. C'est un processus lié. C'est 10 ou 12 mandats au moins pour mettre Haïti sur la là. Faut que commencer à mettre ça. Je mettre tout en conseil là tout. Faut que tout mettre tête kounia en place. Moun qui prend, moun qui a le président pour pas écater, pour pas aller en opposition, au contraire, pour rapprocher, pour conseiller, si on veut faire, c'est pas jeter pour jeter, c'est pour faire corriger là qui le pouvoir pour préparer terrain. Parce que moun ki pral pran deuxième ou troisième mandat la pran nou terrain fait et ainsi de suite pe ap machi. Ça c'est première intervention pour assurer un petit progrès moun yo talè m apparaît encore. Merci. Très bien. Merci. Les spectateurs yo très imbu et de situation. Effectivement que la presse a évoqué ça bien souvent à savoir qu'on crise d'hommes et de bonne volonté, de bonne foi. Tant que j'entends le secrétaire à l'idée, que le conseil de race d'hommes n'a pas rien encore, qui peut permettre cet effort de dépassement de soi d'état fait, et pour que une décision exceptionnelle qui t'a prend permette que le pays a de sortir dans la situation de troublage qu'il y a de temps en temps, sans pas attendre, on troublage, crise politique, à n'en plus finir, et qui continue à handicaper. Et marche paysage et vers le progrès économique et social. Donc, là, nous, dans l'élection, ça, c'est un groupe G8 qui créé Jean Dadi. Donc, nous avons pensé que ce n'est pas seulement un groupe qui était là de façon passagère, juste pour de façon conjoncturelle, juste pour crise électorale. Là. Allô, Miami, allez-y. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, sur la question de Kenneth Benten, monsieur. Nous avons monsieur a dit, de 2010 à journée d'aujourd'hui, il y a 4 milliards de dollars, en d'autres termes, ça a les 4 billions de dollars. Mais vous connaissez, 1 milliard de dollars, c'est pas 5. Comme quoi, 1 milliard de dollars, c'est 1000 millions liés. Donc, monsieur a dit, il a dépensé comme quoi c'est dans l'électricité. Donc, je ne connais pas, parce que je connais c'est Chavez qui vient en bas, il a un bagage là dans Kafou. Il va y un groupe électrogène dans le Gonaïde et il va y un là dans le Cap Haïtien. Donc, je ne connais pas blanc, lui-même américain descendu investir dans l'énergie en bas.
gouvernement haïtien l'acheter courant que le secteur privé a produit pour le distribuer par le peuple haïtien. Donc, je ne sais pas si je vais investir combien de l'électricité. De tel que je vais investir dans l'agriculture. Donc, il faut que je dise que côté de l'irrigation qui est faite dans le pays, qui est une terre qui est arrosée, que c'est blanc qui fait, que nous plantons du riz, nous plantons pois, parce que vous descendez en bas, c'est pois, c'est pour Cap-Van, c'est du riz, c'est Cap-Van, tout le bagage, c'est derrière Cap-Van. Donc, je ne sais pas si je vais comme ça, c'est vraiment pour qu'il détourne, comme la famille rond. Dans le pays, hein, ils tournent la caillou pour faire business, mais pas là, les fardeaux sur le pays pour dire de mettre de l'électricité, de mettre tout, même si vous mettez de l'électricité, vous avez toujours. Merci, monsieur. Très bien. Merci, pour l'intervention. Oui, nous avons parlé de G8, là, j'en ai dit, mais du train que ça va, tu as semblé que ce n'est pas dans le sens que la société a attendu, à savoir que. Un groupe de partis, un groupe de candidats qui mettent ensemble et avec une vision commune pour dire OK. Et désormais, on nous fait entendre, nous prenons le camp de tel candidat et s'il qualifie pour le deuxième tour et que le candidat, ça, s'il passe ou bien il pas passé. Donc, nous continuons de travailler ensemble, nous continuons de souder ensemble et nous élaborer un projet de développement commun et que dans ce cas, nous préparons ensemble et nous soutenons l'un après l'autre et jusqu'à ce que peut-être. Ils tout est capable de faire un mandat, ou bien il y a un président, l'autre premier ministre, ainsi de suite, mais ils ont arrêté soudé ensemble, ça t'a permis tout au moins que la multiplication des partis politiques que nous avons à chaque élection, hein, donc ça, tu as mettre une sorte de barrière là-dedans, parce que c'est 8 candidats qui ont pris une seule, donc seule plateforme, et puis qui sont là, donc ça t'est capable. Soustrait l'autre candidat pour aller dans le même sens-là, au lieu pour y multiplier des partis politiques. Mais si G8 là, Jean-Noël a déjà éclaté en miettes morceau, donc c'était un projet et pour aujourd'hui, demain. Et ce n'est pas ton projet qui était là, Jean, peut-être, peuple haïtien, tu as attendu. Alors, faut-on dire que Gagné, Paul, y a un candidat alors? Attends, j'en ai dit. Arzendo, bonsoir. Bonsoir, M. Paul, et bonsoir, M. Siméon. Bonsoir. Et je m'en dis bonsoir à toi, à Evite de Noan. Je m'en dis bonsoir à Evite de Noan, à Soya. OK. Et dans l'intervention représentant d'État, département d'État, disons. Ambassadeur Maître. Il y a une tranche d'histoire qui vraiment. Qui paraît très intéressant là, donc mais moi-même, ma femme m'a suivi là, et comme si je me sentais il y a un petit genre erroné. Oui, et l'ambassadeur que Kenneth Martin fait connaître que en 1776, Haïti était aidé les États-Unis pour la bataille pour l'indépendance. Mm-hmm. Bon, c'est vrai, moi connais que tu as une aide qui était dans la bataille de Savannah, c'est vrai. Mais pas oublier, en 1776, Haïti pas pour nation. Haïti, nous t'es là, nous t'es gagné, nous t'es comme esclaves. Nous t'es dans la colonie Saint-Domingue, là. Avec dit, nous t'es prêts les esclaves à aider les États-Unis. Mais c'est pas vraiment, Haïti, en lui-même, Haïti qui est indépendant, qui t'a aidé les États-Unis parce que Haïti prend l'indépendance en 1804. Mm-hmm. Donc, si c'était Haïti qui était vraiment aidé les États-Unis, je pense que tu as une certaine relevance. Les États-Unis, vraiment, ils t'ont supposé vraiment aider Haïti comme ça doit. Même gens nous t'ont aidé. Et je parle de Venezuela. Venezuela reconnaît ça. En réciprocité, ils aider les Haïti avec des boileaux. Donc, alors là, dans train d'histoire ça donc moi-même moi c'est pas si ça qui plus dans d'intéresser moi à soir parce que reste pas qui était pour diplomate haïtien pour connaître que c'est un diplomate de renom qu'il a à soir donc yo même comme diplomate haïtien yo supposé vraiment intervenir dans émission ça qui c'est une gros émission côté vraiment direction enfin pile fort vraiment pour bailler une série d'invités de match. Donc, c'est vraiment pour avec tout le respect que tu as intervenu dans l'émission, ça, vraiment, pour être capable vraiment et répondre à l'ambassadeur dans
bel koze sa ke l fè avèk nou aswè. Se sa ke m devle di mèsi. Trè byen, mèsi. Mèsi pou intervansyon. Mami, 3657, bonsoir. 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 Sorry. Ma petite compatriote, excusez-moi. C'est-à-dire, si c'est pas mettre qui va nous crédit, son crédit que nous bataillons. OK? Si ou même au fond intervention, ou pas qu'on force intervention qu'on fait là, son crédit qu'on enlevé dans main peuple haïtien là, OK? Et si ambassadeur mettent lui-même les pays haïtiens crédits et l'histoire reconnaître que haïtiens crédits ou même ont enlevé crédits, moi regrette pour OK, qui doit avancer. Il y a un bail qui est très important. Ce qui est important, c'est que Haïti sont petit pays, c'est vrai, de 27 000 km², mais son pays qui est très riche, qui a un pile potentiel. Mais qui vient pour nous faire nous servir avec potentialité ça? Est-ce qu'un pays qui est subdivisé, côté que des politiciens prennent le pays ça en otage, et ceci, ils prennent en otage, ce n'est pas pour le bien du grand peuple, mais c'est pour le bien personnel. Regardez par exemple, je veux dire que je me suis dénoncé moi-même. Depuis le commencement de l'émission, je me suis dénoncé ces huit-là. C'est un regroupement d'hypocrites. Depuis, je veux dire que ce n'est pas juste qu'il a crasé après la déclaration que Moïse Jean-Charles fait. Je veux dire que depuis l'air, Moïse Jean-Charles exhibé bulletin, les bagages feuilles, les bagages de bien, montrer que c'est passé en premier. Sous un nègre de continuer à collaborer ensemble, ce n'est pas le fait que son équipe coquin n'est pas chaque combat dans la tête pour le faire. Je ne sais pas si je vais continuer. Si effectivement, les nègres de combat sont sérieux que c'est pour le pays, même si je vais faire G8 là, contre un seul monde, je vais faire G8 pour un seul candidat, par exemple, Maurice Célestin, je vais voir l'aller, même les messieurs, l'élection a été truquée. C'est que magique de fait, tout le monde s'est rattrapé en face, monsieur Jovenel. Jovenel t'a obligé de perdre. OK? Mais si on a regroupé, il n'y a pas jamais entendu, c'est un regroupement vicieux, il n'y a jamais de plus importance pour moi. Et par la suite, on parle de l'autre encore pour le faire. On joue qui ça encore, j'ai 32 ou bien par contre, on est allé. J'ai 30. Pour qui ça que le patron regroupé, il a fait plus force. Tout le monde a cette opportunité que vous avez, côté des besoins, le pouvoir, tout. Parce que moi, tout ça, automatiquement, quand un monsieur fait ça dans la politique en Haïti, pas grand rien de besoin fait. Il y a besoin de poste ministériel, un poste de direction générale quelconque. Et puis, prêt, barre. Merci. 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 Très bien. Miami, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons réellement apprécié, non, attendez, toutes les façons que nous opinions, nous réellement, vraiment vu que nous avons un travail dans faire, et nous très moralistes, nous très moral, et nous bien contents, nous croyons que, comme. Émission ça aligne rentre en Haïti. Donc tu as espéré que mon cher donc ça fait impact sur monsieur au cap côté en Haïti et même peu plateau. Alors que moi encourager non pour nous camper ferme, camper là parce que c'est un bel travail que tu as fait. Nous féliciter nous en plein pour ça. Merci. Alors nous t'allons opiner sur déclaration et Kenneth Patton. Et pour moi, d'ailleurs, il y a un petit mot sur sa première citoyenneté, fait que ça a été dit de déclaration Kenneth Merton. Non? Alors, je crois que l'ambassade a connu bien la parler. Je ne crois pas qu'il a dit, il a parlé en thème que Haïti existait. Mais ça, mais c'est la même génération, c'est le même haïtien qui vient créer une nation ça. Et c'est eux-mêmes qui étaient allés à Savannah, à la bataille,
Ouais, donc mon père compte la dit bien. Alors il pas yo c'est pas après Haïti fin pour indépendance, c'est avant ça, c'est même mon ça qui vient créer nation ça. Alors il pas le temps pour être capable. Yeah. Et opiner des détails plus sur ça. Alors il dit que il change que ça et Haïti est aidé États-Unis pour indépendance. Très bien. Alors que c'est exactement c'est ça que dit. Alors et pour finir, et nous croyons que Kenneth Merton est au bon point. Et pas parce qu'il a opposé, il a jamais imposé à Haïti également pour choisir mon leader, non? Moi, c'est parce que nous-mêmes qui faisons des ordres, lorsque nous ne pouvons pas gérer tête, non? Nous sommes obligés d'entrer, mettre la bouche dans la bagarre. Parce que l'élection a fait, et quoi qu'on a fait, le peuple a fait la rue. Et les gens qui ont observé, normalement, je viens de réaliser que c'est le monde qui a réellement vrai qui pour les populaires qui ont l'élection. Il est obligé de dire, oh, ben, bah, le monde qui a l'élection et pouvoir. Alors, c'est comme ça que je suspecte. Voilà. Alors, c'est toujours quoi que c'est l'Amérique qui a dicté, qui a baillé et dicta. Et Joël dit, c'est exactement ça. Donc, monsieur, que me fait demander? Merci. Que vous avez dit non. Merci. 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 Très bien. OK, bye bye. Miami 54-52, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Bon, moi-même, malheureusement que je n'ai pas accès à Internet pour me dire que nous avons posé des questions par maintenant. Ok. Par ambassadeur. Mm-hmm. Parce que nous avons dit comme ça, est-ce que ces paroles de la Roosevelt Franklin, l'un des présidents américains te dit sous nous, nègres noirs, et a fait nous payer. Jusqu'à présent, qui l'est, il a fait nous grâce. Malheureusement, je ne peux pas vous réquisition ça. Parce que nous changer, nous-mêmes, quand l'école passe, qui fouillait, nous pas jamais fait peuple à connaître ça. Avec groupe haïtien, nous gagnons, qui plongeait à l'étranger, la plupart non, yo. Qui fait faux papier, yo vinou les têtes yo docteur, yo sais si yo sais là, nèg sa ou pa gen 5 cop nan men yo. Yo déjà konnen plan blanc qui veut dire so wè k'ap fèt la, nèg parlementaire, juge, tout nèg se cop yo y a fait za fait pep. M'pa di pays d'Haïti non, pays a se on terre yon bagay, za fait pep haïtien. Depuis moi même fait cop moins on l'autre. But négrété question ça a pas de cabassé bot ndame men peuple konnen c'est comme ça ont été traité nous comme des vanipiers puis nda o jam quitter nous réunir ensemble si nous quitter si on quitter nous réunir ensemble le blanc entravé bot c'est ça on nous connaît qui fait pays à pour aller Jean Boilier. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci. Oyedo, bonsoir, bienvenue. Baissez volume. Oui, bonsoir. Baissez volume plus à zéro, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Bonsoir. Monsieur, je vous remercie en pile pour ça nous fait m'attendre là. Vraiment apprécier ça qu'a fait là. Mais celle que ça me donne, ça va aller pour faire au point. Ça m'attend. Attends, qu'est-ce que vous suivez? Ça se passe. Accès au passé là, là, au cas. M'attendez, mais qu'est-ce que vous suivez là? Continuez. Et c'est des bagages ça avec. Trois dossiers qui perdent. Parce que le bataille a cassé au paquet. Tous ces trois dossiers qui perdent seulement. Dossier pays qui se yon disparaît. C'est trois bagailles ça y est, deux bagailles ça y est, m'dare me connaît. Dossier là, je me connais auteur, ça se passait. Parce que nous voulons les vacances, vous avez trois dossiers seulement. Monsieur Côté d'Haïti. Ça, m'dare l'enquête poursuivre pour ma jambe de résultat. Et ça passe au cas là, je vais vous faire enquête pour suivre pour ma chambre de résultat. J'étais là, c'était moi-même. Mais je vais vous faire un résultat ça passe là. Merci, nous espérons que vous entendez. Merci. Mami, Mami 3344, bonsoir, bienvenue. Hello, bonsoir. 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 Ah, moi salue nos messieurs et tout plateau. Ah. Bonsoir. Mais, ça ambassade a dit de Haïti t'allait des États-Unis gourmet. Oui, tes gars ici qui participent là-dedans.
Mais ça me fait attirer les dit tout le monde avait gain fia. Il pas bail menti, on esclave nous payer. Nous pas ton nation voué et tout tout gourmet qui t'a fait et tout ce l'ouverti c'est sous la Dominicanie, c'est pas Haïti, c'est la Dominicanie yo t'a été apprédé. Et ça fait la Dominicanie passer devant nous. Ça me fait à dire, après 1800, George Washington t'a fait reward. Il pas de bail ici rien. C'était la France qui était bail. Moun ki Louisiana, New Orleans, qui parle créole, qui parle français. Yo pa reconnaître comme haïtien. Yo reconnaître comme français. C'est français qui était bail et reward là. C'est français qui retourne vendre pas américain encore. Tout est fin goumé, c'est où yo ta bali, c'est haïtien ta bali. Yo pa de bail ici rien. Oui, c'était esclave nous te, yo te utilisé nous, même yo te prenons en Afrique, yo débarquer nous côté au pléa. C'est pour ça qu'il était fait. Même pas raison comme si mon n'a dit nous bagaille. Nous c'est vérité, nous toujours Haïti. Tout prenez tout ce l'ouverti. Tout monde ça ta prenez c'est la Dominicaine. Yo pas que j'ai m'a prenez Haïti dans rien. C'est comme ça nous te vivre. C'est ça que ça donne nous passer devant nous. Ou qu'on y a tout nèg opposé pour Haïti pas ka prendre pas on en est faut comprendre c'est blanc qui fait nous pas ka avancer c'est pas blanc est-ce que c'est blanc qui on blanc ka camper devant pour dire mon ça que pays me pas supposé gagne de l'eau potable on blanc ka camper dans pays pour dire pays me pas supposé gagne lumière pendant ce temps là ca il aime pas dire jeune tout bagaille ça yo mal là-bas mal lumière 24 sur 24 gros 24 sur 24 c'est américain gon bon parti qui dépense dans grande Bahamas américain gon bon groupe qui dépense dans grande Bahamas bâti tout zone ça qui a ba yo tant comme Dakar bon la badi yo mette ou la badi moi je lumière 24 sur 24 la badi moi je mette de 24 sur 24 la badi c'est nous même qui pas chambre essayer garder Haïti pour rien tout bagaille depuis ça Haïti. OK, ça coûte aller nous sont à parler des nègres qui ont arrêté. Nègres là les gens disent c'est Guy Philippe qui dévoué, c'est journaliste peut-être dit ça c'est premièrement. Mais on paye l'hôpital fermé. L'hôpital fermé pas que côté pour mener mon côté pour mener pour soin. Bah on va mettre dans derrière encore. Est-ce que c'est blanc qu'il faut l'hôpital fermé non pays pour président tout le monde dans le pays a dit les têtes intellectuelles et puis l'hôpital fermé non pays tout dernièrement on fait mourir devant l'hôpital là. Pour passer par le cas de soin. Les amis haïtiens, vous m'avez entendu. C'est ce point de bas, mon côté, ça nous fait. Prends responsabilité, nous. Merci. Prends responsabilité, nous. Oui, demain, nous prenons responsabilité, nous. Agissons pour le monde. Merci. Mamie, 70-82. Merci. Mamie, 70-82. Bonsoir. 33-82. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. 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 Ça avec. C'est avec attention que je suis émission à m'a regardé à la télé. Et moi-même, ça que je voulais faire sortir. C'est une situation côté de lui. Moi-même, je laisse de tout le monde. C'est qu'on a des droits humains dans Jean Bosco. Qui est toujours à gommer pour lutte du Valier. Du Valier finalé. Pour la du Valier finalé, qu'on y a là, les Haïtiens à gommer. Je tiens à une situation que nous y a. C'est parce que nous pas jamais des leaders après le départ du Valier. Premièrement, tout le monde qui est président après le départ du Valier, c'est activiste, il n'y a pas leader politique. Parce que jusqu'à présent, je viens de parler là, pas jamais des haïtiens vraiment qui dit parmi les tout haïtiens qui ont l'argent, qui ont capacité pour payer. On nous fait un commande là, qui réunit pas de orgueil. Moi-même, dans la canne, je suis pour bien. Mais la position sur la salle là, pas des haïtiens vrais. 212 ans d'indépendance. Nous pas même dans quelques camionnettes là même. Alors que, moi, je vous dernier moment là, moi, je sorti. Premièrement, je vais vous parler là. Haïtien, président, Gérald Goud, Abba Investiti parle. Maintenant, qui paye sérieux. Pour nous actuellement, si tu as un bon leader, tu as une bonne fondation dans le pays, on peut prendre si on peut pour ta vie tomber dans Matéli. C'est parce que nous n'avons pas une base qui est parti, c'est que tout le monde, c'est même quand plus ça qui est basé à l'issue là, c'est même lui-même. Alors que grosse de bagaille, monsieur, en sérieux, nous ne pouvons pas aller plus loin parce que la mentalité n'a pas changé. Toute la mentalité, c'est pour faire revanche, c'est pour justice.
Il a compris la justice pour le travail. Mais on nous a payé aux chances pendant la première année, on nous mettait ensemble, que trois mondes qui travaillent, c'est valable, qui travaillent, c'est qui veut vivre, monsieur, dans le pays, qui veut sortir à la caillou. Mais, monsieur, voilà une chance. On nous mettait ensemble, même si je m'en crie, parce que nous avons pour faire du drapeau, parce que là, l'MT Simon, malgré le fait du drapeau, je dis à son honte pour ces États-Unis, pour le crime, qui. États-Unis, quand vous faites des fêtes, et la carte, c'est comme vous faites des fêtes. Alors que, monsieur, allons prier, bon Dieu, le pays à sortir dans sa vie. Parce que Haïti, qui est pour le renouveler, tout en disant, nous ne pas chasser orgueil, nous ne pas jamais arriver. Que mon Dieu bénisse. Merci, au même temps. Merci. Miami 54-52, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Bon, madame, je vais parler pour vous, je vais parler que ce n'est pas blanc. Madame, je vais parler. Nous avons un cochon. Jean-Claude Duvalier, qui est-ce qui t'a fait tuer tout, qui t'a caisse et banque pauvre malheureux? En pile, non, nous, c'est cochon qui fait éducation, non. Cocoye, nous t'a gagné dans le pays d'Haïti, qui est-ce qui t'a tué? Monsieur, à m'quoi, vous attendez, oui? Nous gagnons tout Aristide là, m'quoi, c'est la Chine qui t'a fait de nous planter, dit oui, qui est-ce qui t'a tué? L'autre jour là, qui ça? Président Clinton se dit, c'est ma faute, c'est moi-même qui fais Haïti ça. Monsieur, pas de tendre. Mais, enfin, ouais, un peu ici a codé, un peu a décodé, bon, nous pas de côté nous pour aller. Nous pas de côté nous pour aller, non? Parce que, nègla, ouais, a dégrangé, a réussi de faire une élection avec Kobeya, blanc, piafé sur l'élection, gâtel. Même nous, pas jamais répéter ça. Parce que c'est ça, nous avons demandé, nous pas jamais répéter le te fait, blanc gâtil, parce qu'il parle là-dedans. Et c'est celle qu'on y a encore après, si le pape gâtil. C'est ça, nous avons dit, merci beaucoup. Merci. 1907, Mami, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Ok, nous pensons que nous sommes. Très bien. Moi-même, je pense que je suis en forme, oui, même pas en forme, pour ça que je passe dans le pays. Je suis côté de là, je ne vais pas faire un pays, je ne vais pas participer, je ne vais pas défendre. Donc, on a un seul problème. Nous avons des problèmes de bois, nous avons un problème d'éducation avec un problème de justice. C'est l'injustice, c'est pas de faire de justice comme ça, parce que, en action faite, naturellement, il y a un seul monde qui est ciblé. Et Philippe ciblé parce que par rapport à la déclaration, même matin, pour déclaration, gros monde a fait une radio, mon a fait une radio, déjà, ouais, je dis, il y a un rapport avec Philippe, il tape fait, il a fait plus que ça toujours. Eh bien, si nous avons une justice, c'est pas la vraie bataille de justice pour tout le monde abusé. Philippe, tu as déjà une enquête qui mène, la justice, ou bien, mon question s'abuse. Commissaire gouvernement au Caire. Et dit depuis 4 6 mois là commissaire gouvernement au Caire. Et ça fait toute bataille, pas un chef dans pays Haïti qu'on y a. Si tu gon chef, tu as gété gon enquête et tu as gété ouais même si pas la ko dit énumérer combien monde et non monde mais tu as gété l'état tu as gété kon ki monde qui fait action ça plus que pas gen monde qui pour faire le peuple a déjà ciblé par rapport avec déclaration, monsieur, dit, mais qui est-ce qui a fait 10, qu'est-ce qui a fait date? Merci, je ne dis rien encore, mais qui me fait mal, on n'a que m'a crasé là, man. Tout plat, puis m'a crasé, ça va passer à l'étire là. Merci. Très bien. Voilà, je l'ai dit, nous sommes arrivés dans l'heure pour nous mettre fin à l'émission. Qui sont à aimer conclure à ce soir? Bon, nous avons des ambassadeurs maintenant. Que nous remercions encore une fois donc que les vini sous télé à la Kaona pour les capables de porter deux trois précisions pour nous-mêmes par rapport avec et concern que nous gagnons et population haïtienne ça cap vivre dans la diaspora notamment et mais surtout nous tendez téléspectateurs qui eux-mêmes comprennent très bien démarche nous mentaux justement pour permettre que capable ou être clair sur chemin et questions politiques dans le pays d'Haïti. Donc, en ce sens, nous croyons que toute interrogation a fait sens. Et
moi crois également tout que nos démarches justement pour que nous capables aider comprendre et question et bon lumière justement par rapport avec qui décision pour prendre comment pour même capable réagir justement et pour capable porter contribution par dans et construction pays ça hein? Donc moi crois que où je partition très 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 bien et moi dis merci donc avec tous les spectateurs pour ça. Et en ce sens, je crois que si nous regardons aujourd'hui, il y a des signaux qui ont voyé encore une fois, donc qui pas de bons signaux. Dans le sens que, vous regardez pour, par exemple, un candidat, un ancien candidat hein, à la présidence, là, je parlais de Mathias Pierre, qui lui-même était en dedans G8 pour une raison quelconque, et il a annoncé dans un tweet que G8 là les dissoudre et gagner de mécontents au sein même du G8 que comme quoi que monsieur pas de remettre information dehors comme quoi public là pas de connaître et alors que son droit qu'on gagne justement pour capable connaître ça qui a passé et en ce sens nous croyons que les victimes hein les gars business qui sous Delma qui recevoir en pile coup de roche et au cas éviter ça semble tirer même tirer sur ce business là. Et journalistes constatent que et qui ça cap passé là encore moi crois que on comprend que dans même logique que gagne des monde cap suivre la presse qui tant dit que gagne de candidats au sein même du G8 qui en désaccord avec monsieur Mathias yo ka faire ça Isaac ça justement pour que yo dit que ah c'est parce que gagne mésentente gagne discordance entre eux même à l'intérieur du G8 donc il doit son l'autre membre G8 là qui lui-même poser action ça. Donc nous pas courir dire comme ça et c'est une encore une fois donc qui fait que n'a pas demandé pour que candidat nous yo leader nous yo soigner image yo, soigner langage yo. Parce que c'est des modèles que yo yé, c'est eux même qui tout pour suivre. Donc on pas ca dire n'importe qui bagaille, on pas ca comporter n'importe qui gens. Donc en ce sens, moi espérer que encore une fois donc émission assoir hein, la PD aider en décideur nous yo hein, en Haïti par rapport avec nous-mêmes qui soit en Haïti qui vivent situation hein, et sur le terrain et ou bien l'autre qui lui-même dans diaspora qui eux-mêmes gagnent en gros souhait c'est que tu aimerais que pays d'Haïti les retrouver sur les rails et que eux-mêmes retrouver la caillou. Donc c'est souhait ça que nous gagnons pour eux et n'a demandé que en fait tout le monde qui gagne une action quelconque capable entreprendre. Je recevoir des appels, gagner des spectateurs et qui tendent nous dans la télévision et qui dit mon cher, nous avons fait un chita à voir, nous avons fait un parler parce que je pense que si tant que nous avons là justement pour nous partager ensemble avec vous, et pas suffit justement pour que vous capable. Donc ça peut demander qu'au sein de la communauté, il faut nous regrouper, nous, faut nous faire des discussions dans le sens positif. Même lorsque nous avons des divergences entre nous-mêmes, des différences entre nous-mêmes, mais ça pas empêcher que nous garder dans la même direction pour nous cheminer justement vers un pays qui respecte tout principe, toute norme démocratique et que nous sommes capables de respecter l'autre et que on monde perdu ou à l'élection reconnaître qu'on perdu et puis on félicite l'autre monde ou chacun avec pour qu'il soit pour qu'on faire ça. Donc moi que donc vraiment il y a pile et attention et qui encore une fois attiré sur émission ça l'actualité en question. N'a pas remercié donc l'administration télévision hein, monsieur Landry Ménard donc pour support à l'émission l'actualité en question n'a continué faire travail ça mais dans la même et n'a pas remercié également donc technicien nous qui permettent que l'émission soit possible à soi encore et encore une fois donc m'a pas remercier vraiment téléspectateurs nous-mêmes qui a font bon travail également parce que nous comprenons le travail télé à la Kaona. M'a demandé également que nous continuions à supporter la télévision dans le sens que nous sommes capables de l'arriver dans la position encore une fois. Donc, m'a dit pour qu'ils s'en baouent et publicité sur la télévision. Donc, ça, c'est fondamental. Et il faut nous demander ça. Et en plus de ça, et nous sommes capables d'inviter 5 personnes, hein, amis, familles, proches, travail, justement, pour être capables de télécharger l'application télévision sur Google. Google Play justement pour que capable mettre sur téléphone parce que moi que gon avantage qu'on gagne l'on gagne application sur téléphone ou même donc li bon l'autre avantage l'on gagne sur tablette ou on est tapé dans source et puis ou télévision l'ouvre vinn jan nou ou gade sans problème.
Donc merci encore une fois donc bonne soirée. Je souhaite que eh bien demain si Dieu veut, n'a gain de meilleures nouvelles pour nous porter pour vous. Et pas oublier que pour monde qui était pas de chance suivre et entretien que nous avons gagné avec l'ambassadeur Kenneth Martin, eh bien au capable de faire ça d'ici demain matin. Donc au capable subscribe sur et channel YouTube télé Anakaona. Donc au capable garder l'ovle, mais nous garder en bas écran là. Donc c'est côté pour nous aller justement pour nous capable garder toutes vidéos que télé Anakaona les poster online. Donc, concernant la vérité en contact. Bonne soirée tout le monde. Bonsoir, Paul. Bonsoir, Jean-Dadi. Amis téléspectateurs, une fois de plus, nous remercions pour attention et fidélité à l'émission ça. Une petite précision tout petit, c'est que un pile téléspectateurs opiné sur tranche d'histoire ça que l'ambassadeur Martin a évoqué dans l'interview, à savoir contribution des Haïtiens et la bataille de Savannah. Et l'histoire universelle va écrire à Haïti parce que les combattants ont été sortis sous terre, ils ont été sortis sur Jamaïque, ils ont dit Jamaïque, ils ont été sortis sur Cuba, ils ont dit Cuba. Donc même si à l'époque, on a été les Saint-Domingue, mais par la suite, on est venu reprendre. Si non, Saint-Domingue a été arrêté à jamais, donc l'État dit Saint-Domingue, donc comme nous sommes venus retourner prendre Haïti, donc c'est des Haïtiens, donc l'histoire universelle va écrire à Haïti et pour. Et contribution à la bataille ça donc à nous Kembel comme ça et parce que et c'est ça l'histoire universelle c'est comme ça livre li donc à nous paraît que dit que l'histoire universelle bail à ces combattants qui étaient sortis sous terre pays d'Haïti. Honnêteté c'est meilleure politique donc dans ce sens ça son geste remarquable mais M. Mathias Pierre fait de ce que le G8 par exemple encore les donc, pour qui ça, pour on lui en veut à cause de GSA que le faire pour lui dire que le groupement ça n'est pas existé encore. Donc, c'est un geste remarquable de sa part et chaque fois nous avons des personnalités politiques qui comportent en ce sens, et son geste qui est louable, qui est remarquable et n'a pas évoqué. Quand il y a un spectateur qui dit pays a chargé de ressources, pays a riche, effectivement, mais pays a chargé de ressources, pays a chargé. Mais nous constatons que malgré les ressources, malgré les richesses paysannes, puisque la majorité pays a, et le peuple haïtien de préférence n'a pas voté, patauger dans la misère la plus abjecte de décennie en décennie. C'est une situation qui est extrêmement grave. Pas de l'eau potable, problème de santé, centre de santé, pas de matériel de base pour le docteur de travail, problème de route. Etc., électricité, tant d'autres problèmes, et la vie chère, etc. Donc, ça m'a demandé à ce que nous avons un personnel politique qui fait preuve de discipline, faut qu'on ait l'autre vision des choses, faut réaliser ça, il faut montrer que il y a un but de lui, il faut montrer que pas ignorer dans l'action, dans la déclaration. Mais ce n'est pas ça nous, là. C'est pas ça qu'on a constaté depuis des années, qui la cause que la situation continue à détériorer de plus en plus. Et qui la cause que en pile, haïtien pas ou espoir dans l'avenir du pays. Et pourtant, il y a trop de raisons pour gagner espoir. Il y a trop d'opportunités qu'il a pour gagner espoir. Donc, mais la question que nous avons posée à soi, est-ce que les personnels politiques que nous avons là a voulu et prend conscience du rôle qu'il doit jouer pour permettre que le peuple ça reprenne confiance dans l'avenir du pays, dans la possibilité du pays, dans la capacité du pays, et pour lui porter changement pour lui. Donc même si lui-même lui a voulu contribuer, est-ce que le personnel politique ça avait encadré lui et pour permettre que lui porte contribution que lui voulait porter. Donc c'est la réflexion ça, mesdames et messieurs, qui n'a pas quitté pour assurer. Et nous sommes contents pile de ce que, et comme d'habitude, à soir, vous relayez, vous posez des questions, vous faites commentaire, et vous constatez. Donc, Télé Anakaona, c'est la tolérance absolue. Et c'est là, c'est la démocratie la plus parfaite, dans le sens que c'est la liberté d'expression, mais très manifeste à travers la Télé Anakaona. Donc, on a prêté comme ça tout le temps. Et nous promettons tout ça, et nous promettons pour nous faire route laveur, pour nous continuer
servi de trait d'union à tout même avec compatriotes tout qui ont quitté dans le pays d'Haïti et que ont toujours été très attachés à eux-mêmes et à paysans qui ont quitté d'air. Continuez à encourager les amis et quelques secrétaires, parents et même voisins et pour suivre tout ce qu'a fait dans Tilianakaona online sur www.tilianakaona.com/live. Et puis, vous pouvez download tout, l'application Tilianakaona sur smartphone. Et ça permet que vous toujours en contact avec tout ce qu'a fait dans la télévision, quel que soit le côté, que ce soit l'heure du jour et de la nuit. Donc, une fois de plus, nous remercions, l'équipe technique, là, nous remercions la direction, nous remercions tout, l'ambassadeur Martin qui était accepté l'invitation pour te rendre l'émission ça les plus intéressante que jamais. Chanadi, merci, bonne soirée. Bonne soirée, Paul. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous.